Salut à tous, c'est Aminia dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter, attention, le tout nouveau camping. Mais ce n'est pas n'importe quel camping-car. Parce qu'il y a une customisation, les gars, vous allez voir. Il y a un motif spécial. Breaking Bad! Dans les commentaires, est-ce que vous avez regardé la série Breaking Bad? Oui ou non? À vous de me dire. Vous noterez sur 10 la customisation. Attends, c'est pas normal déjà. Que vous n'ayez pas regardé la série Breaking Bad, je n'y crois absolument pas. Si vous n'avez pas regardé cette série, allez la regarder. Elle est sur Netflix en plus. Je peux vous dire qu'elle est incroyable, mais vrai, hein. Vraiment, vous allez kiffer. Voilà. Moi, pour moi, c'est l'une des top 3 de mes séries que j'ai regardées. En tout cas, aujourd'hui, on a ce petit véhicule. Bon, c'est un petit DLC qui fait quand même référence à Breaking Bad, je trouve, hein. Vraiment, avec les tenues, tout ça qu'on a pu voir dans le DLC. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup Breaking Bad, enfin même le camping-car et tout. Je pense que c'est un petit clin d'œil de la part de Rockstar à cette série, hein, qui est tout simplement incroyable, je le répète encore une fois. Alors, on est avec le Journey numéro 2. Donc voilà, on avait déjà un camping-car sur GTA, le Journey normal. Mais cette fois-ci, c'est le 2. Et il coûte, eh bien, tout simplement, attention, 592 500 dollars. C'est très cher pour un camping-car, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il pour transporter de l'herbe. Alors, pour bon voyage. Ok. Eh bien, écoutez, les gars, let's go. J'ai envie de dire, c'est parti pour tout simplement modifier ce véhicule qui est tout simplement incroyable. Hein, je le rappelle. Alors, blindage, on va mettre à fond. Il n'y a pas beaucoup de customisation dessus, par contre. Frein de course, moteur. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me disaient, tu fais tes customs un peu rapidement et tout, mais on va le faire ça doucement. Alors moteur niveau 4, explosif, on s'en fout, klaxon, on s'en fout, éclairage phare néon, hop, guidon support néon, hop, couleur néon, on va partir sur du blanc, parce qu'on va laisser en blanc tout simplement. Motif. Alors c'est là que ça va être important. Alors attention, on a pas mal de motifs sur ce petit camping-car, hein, je le rappelle. On a celui-là, celui-là, celui-là. Celui-là, 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 celui-là. Waouh, il est beau celui-là. Celui-là, celui-là. Et on a également celui-là. On en a pas mal. J'aime bien celui-là, en vrai, il est pas mal, hein, ça fait un peu hippie. Mais celui qu'il faut mettre, les gars, et eh bien tout simplement, c'est celui-là derrière les fourneaux. Alors, vous n'avez pas fini, les gars, hein, une fois que vous avez fait ça. C'est pas que ça qu'il faut mettre. Ok. Ok, on est de retour. Donc comme je vous ai dit, motif derrière les fourneaux pour avoir le véhicule de Breaking Bad. Ok. Ensuite, plaque. On va mettre une plaque blanche. Bon, après les plaques, c'est un peu pareil, hein, j'ai envie de dire. Couleur principale. Alors attention, on va pas mettre du caméléon. Non, je rigole. On va mettre tout simplement une couleur assez simple, assez efficace. Eh bien. C'est tout simplement du blanc, les gars. Alors, vous avez le choix entre les deux blancs là. Vous pouvez mettre un peu de crème, c'est pareil aussi. Mais nous, on va mettre le blanc glacier. Ok. Couleur secondaire, métallisée. Alors, de base, c'est de l'argent béton. Et nous, on va mettre, encore une fois, je le rappelle, eh bien, vous allez mettre du blanc glacé. Voilà. Ok. Ça, une fois que c'est bon, une fois que c'est fait, c'est nickel. C'est dans la poche. Il ne faut pas, absolument pas, faire d'autre chose que ça. Donc, vous mettez. Blanc glacé, ok. Couleur principale, je rappelle, métallisé, blanc glacé. Et en secondaire, vous mettez métallisé, glacé. Donc là, du coup, blanc glacé. Là, c'est fait. Ok. Là, vous avez tout ce qui fait référence à Breaking Bad. Donc forcément, vous avez vu le motif, je vous le remontre. Derrière les fourneaux, donc vous comprenez en gros que derrière les fourneaux, ça fait référence à Breaking Bad, le petit clin d'œil, le petit easter egg. En rappel à cette série, derrière les fourneaux, et justement, il est comme ça, et c'est comme ça qu'il est sur dans la série, tout simplement. Ok, alors qu'est-ce qu'on a comme mode customisation dessus? On en a été où la peinture, couleur finition, on n'a pas mis. Couleur, on peut laisser comme ça. Hein. On va mettre en noir, ok. Ça, c'est pas très important. Vendre, on va pas le vendre. Transmission de course turbo. Tuning turbo, il a pas de. Ouais, il a pas de truc en vrai. Le vrai. Il n'a pas. Oui. Après, les roues, je pense qu'on peut laisser celle-ci en vrai. Hein. Couleur des jantes de pneus, amélioration des pneus, plein l'épreuve des balles. Apparence des pneus, on s'en fout. Fumée de pneus, on peut mettre. On peut laisser blanc. On peut mettre peut-être vert. Bof. Hop. Ouais, verte.
En référence forcément les gars à l'herbe. Vitre. Alors, je sais pas si on met des vitres teintées ou pas. Moi, je trouve que ça gâche un peu. Le fait de mettre des vitres teintées, ça gâche un peu le délire. On peut mettre à la lumière. Ouais, fumée claire, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop là en vrai, le vrai. Je sais pas trop. On va peut-être mettre fumée claire. Allez, fumée claire. Ok, fumée claire. Ok. Eh bien écoutez, les gars, je crois qu'on a fini la customisation du véhicule. Le capitaine qui arrête pas m'appeler, il m'en fout. La customisation du véhicule. Donc du coup, il ressemble à ça. Donc je vais bien vous le montrer. Je vais juste mettre la lumière, les gars. Il est rendu, il est 17h. Ok, il est 17h en plus dans le jeu. Donc voilà à quoi il ressemble. Alors je vais me mettre un peu plus vers là. Comme ça, vous voyez bien. Ok. Hop. Hop. Et hop. D'ailleurs, c'est une nouvelle tenue, ça. Alors, donc voilà à quoi il ressemble. Le fameux véhicule de Breaking Bad. Alors, par contre, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Il est pas mal. On peut monter dessus. Ouais, on peut monter dessus. Je sais pas si on peut tenir dessus. Je sais pas trop. Je sais pas trop si on peut tenir dessus. Donc, voilà vraiment à quoi il ressemble. Alors, on peut pas monter derrière. Il me semble sur ce véhicule. Je sais pas si c'est un. Alors, attendez, je vais juste regarder. C'est un véhicule comment on le place. Je sais pas si c'est écrit. C'est un véhicule 6 places. Ah ouais, c'est-à-dire qu'on peut rentrer derrière. On peut se mettre derrière, mais je ne peux pas voir comment on peut se mettre derrière. Alors, attendez, on va juste tout ouvrir. Ouais, donc en fait, il y a des portes ici. Ok. Donc il y a des portes un peu partout. Ouais, il y a des portes derrière. Enfin, il y a des sièges derrière. J'aimerais bien juste voir comment c'est dedans. Mais on peut pas rentrer malheureusement. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi. Enfin, il faut qu'il y ait deux personnes avec moi. Je vais mettre en première personne. Ouais, derrière il y a. Ouais, bah là on voit bien. Derrière il y a rien de spécial. Il y a juste une petite sorte de cuisine. On peut pas arrêter par là, non. Ouais, c'est fermé. C'est vraiment barricadé de partout. Bon, là il y a deux sièges, ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Puis ces deux-là, ça fait 6 quoi. Et du coup, comme j'ai dit. Derrière, il y a juste ça, peut-être avec le téléphone. Bon, on voit pas gros, abusément ce qu'il y a derrière, mais en gros, merde. Mais en gros, les gars, il y a juste tout simplement, eh bien, une cuisine, quoi. Voilà, on peut se poser à 6 par contre. C'est un véhicule 6 places. Hop, on va fermer ça. Bon, il veut pas se fermer. Elle veut pas se fermer les portes, les gars. Bon, par contre. Vous doutez bien qu'en termes de tenue de route, c'est pas le meilleur des véhicules. Hein. C'est pas the véhicule qu'il faut acheter. Bon, honnêtement, vu le prix, c'est pas un véhicule que je vous conseille. Par contre, si vous aimez bien la série Breaking Bad, eh bien, je vous conseille ce véhicule. Uniquement si vous kiffez la série Breaking Bad. Par contre, si vous kiffez pas la série Breaking Bad, les gars. Vraiment, le pas. C'est une perte de temps. Enfin, c'est une perte d'argent. Et surtout, ça sert strictement à rien. Il n'a pas de tenue de route. À part, voilà, vous pouvez monter à 6 dessus. Mais il y a d'autres véhicules où vous pouvez monter à 6 et c'est encore un peu plus sympathique. En tout cas, on se situe. Ciao tout le monde.